Hello, bon retour sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. J'espère que vos familles se portent bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une motivation ménage dans le salon. Nous allons faire le ménage et décorer ensemble. Nous allons utiliser les objets de décoration présentés dans la dernière vidéo de Hall Décoration. Tous les objets qui seront utilisés viennent de notre boutique de décoration. Pour voir tout ce que nous vendons dans la boutique de décoration, je vous prie d'accéder au groupe WhatsApp de la boutique via le lien en description. J'espère les amis que cette vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à liker, à me laisser un commentaire et à partager autour de vous. Je commence par ranger l'intérieur de mon tiroir de meubles TV et je débarrasse certaines choses, certaines décorations que je viens mettre dans ce tiroir-là. La base du ménage, c'est le désencombrement et le rangement. Ensuite, je viens nettoyer ma table basse. J'utilise le mélange de vinaigre blanc, bicarbonate de soude et eau tiède. C'est ce que j'utilise pour nettoyer mes meubles peints en blanc. Parfois, j'ajoute aussi un peu de liquide vaisselle pour bien laver, puis j'essuie. Je débarrasse le meuble TV, puis je le nettoie bien avec le même mélange. Ensuite, la table de salle à manger. Je débarrasse, j'enlève mes sous-plats en osier là. J'enlève la nappe qui me sert de centre de table. Puis, je vais nettoyer toujours avec le même mélange. Comme c'est le meuble en bois, je préfère mettre le liquide nettoyant directement sur le chiffon. Je nettoie et je retourne le chiffon, j'essuie. Je ne laisse pas qu'il y ait beaucoup d'eau ou beaucoup de liquide nettoyant sur la table. Puis je reviens côté salon pour m'occuper de mes étagères. Vous avez constaté que j'ai changé l'emplacement des étagères pour avoir une décoration un peu différente de ce que j'ai depuis toutes ces années. N'hésitez pas à me dire si ça vous plaît.
Ce truc blanc que je tiens en main, c'est une goulotte. C'est ce que nous avons utilisé sous la télé pour cacher tous les câbles. Je vous conseille de l'avoir. Ça rend l'espace TV plus joli et il n'y a pas tout un désordre de câbles. Ça coûte 1 500 et c'est la deuxième fois que je l'utilise. On avait d'abord coupé un bout, on a mis. Ensuite, en faisant la peinture dernièrement, on a coupé un autre, on a mis. C'est autocollant, pas besoin de clouer ou de percer le mur. Maintenant, je nettoie mon tapis avec la brosse et la pelle. Vu que je n'ai pas d'aspirateur, je viens, je brosse, j'enlève tout ce qu'il y a comme saleté dessus. Je brosse vraiment hein, et ça me prend quand même du temps. C'est juste que sur les vidéos comme ça, je coupe quand même. Je ne vous laisse pas tout ce temps-là. Donc, je brosse et ça enlève bien la saleté. Je brosse et j'envoie directement la saleté dans la pelle. Je fais ça sur toutes les parties du tapis. Parfois aussi, je soulève le tapis, j'enlève la poussière. Et quand je me rends compte que mon tapis est déjà sale, vraiment, je préfère le retirer. Avec mes antécédents d'asthme, je ne garde pas de tapis sale et poussiéreux. Je préfère retirer. Ensuite, je viens balayer, je soulève un peu le tapis, je balaye en dessous, vu qu'il y a toujours un peu de traces de poussière en dessous. Je viens tapoter le canapé pour enlever la poussière dessus. Vu que mon canapé, je l'ai nettoyé tout récemment, donc ce n'est pas si sale. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo où je vous montre comment j'entretiens mon canapé en tissu, n'hésitez pas à aller la voir. Je vais vous la mettre en description. Sur les coins de mes canapés, parfois je sors de ces saletés, je donne seulement le chapeau à mes enfants. Je ne sais pas comment elles font pour que les choses s'infiltrent là-bas. Je ne sais pas si dans la maison où il n'y a pas d'enfants, les à côté, les bordures du canapé, les coins là, sont aussi pleins de saletés. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il vous plaît. Ensuite, je viens côté salle à manger, j'enlève les chaises pour bien balayer en bas parce que tout à l'heure je vais laver. Après avoir balayé tout mon salon et ramassé la saleté avec ma pelle et ma brosse que je vous conseille d'avoir, je viens laver le sol avec mon balai serpillière à seau et soreur. Ce balai serpillière, je l'avais eu à Dove. J'avais vraiment attendu qu'il y ait une couleur neutre, le gris, qui se fond un peu à mes couleurs préférées de décoration intérieure. Je viens donc mettre le savon dans de l'eau propre pour laver le sol. C'est un savon multi-usage que j'utilise pour le sol, pour la lessive et même pour la vaisselle, pour nettoyer tout.
C'est une fabrication locale. Je vais bien frotter mon sol avec ce balai-ci. C'est vraiment très pratique, très très pratique. Pour ceux et celles qui découvrent ma chaîne pour la première fois, je m'appelle Nathalie. Je suis maman de 3 filles, dont un petit bébé de quelques mois. Je vis à Yaoundé, au Cameroun. J'ai créé cette chaîne pour échanger avec vous sur mon quotidien de maman. Sur ma chaîne, vous trouverez des vidéos de motivation ménage comme celle-ci, décoration d'intérieur comme celle-ci, astuces, rangement, organisation, vie de maman. Surtout prendre soin de sa maison, faire de son foyer un cocon, l'espace qui nous apaise et être heureux avec le peu qu'on a en révélant le meilleur de nous, prendre soin de nos enfants, bien gérer son budget alimentaire, bien gérer sa ration alimentaire. Si cette thématique c'est quelque chose qui vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Abonnez-vous s'il vous plaît. Tous ceux qui regardent les vidéos et partent sans s'abonner là, s'il vous plaît, abonnez-vous. Partagez également autour de vous s'il vous plaît, parce que si ça vous a plu, ça peut plaire à quelqu'un à côté de vous. Si vous recevez la motivation venant de moi, partagez la motivation autour de vous les amis. Merci d'avance. Le ménage se fait en combien d'étapes? Le ménage commence par le désencombrement. On débarrasse tout ce qui traîne, tout ce qui n'est pas à sa place. Ensuite, on nettoie, puis on range et on décore. Voilà les étapes pour avoir une maison propre et rangée. Débarrasser et ranger, c'est même la base du ménage. Quand c'est débarrassé et rangé, même si ce n'est pas lavé, ça ne saute pas directement à l'œil que la maison est sale. Après avoir terminé tout ça, donc je viens commencer par la décoration de la table de salle à manger. Je mets un joli plateau décoratif. Ensuite, je mets un vase avec une fleur à l'intérieur. Puis, je mets ma bougie parfumée. Je mets le diffuseur de parfum. Et j'ajoute une bougeoire et une bougie au-dessus. Voilà un exemple de composition de décoration. Vous allez bien voir la fin de la vidéo. Tout objet de décoration que j'utilise ici vient de la boutique Aga Décoration et je vous ai fait un haul dans la vidéo précédente. Sur la table basse, je mets un plateau décoratif avec un vase à l'intérieur et quelques fleurs, les fleurs qui vont se marier avec mes rideaux. Sur le meuble TV, je mets ces 2 doubles cœurs de part et d'autre et au milieu là, je vous mets un autre style de porte-bougeoir avec une bougie à l'intérieur. La décoration à l'instant, quand on achète les objets, on visualise le rendu. Mais on ne l'a pas totalement. C'est pendant qu'on pose qu'on observe. Est-ce que c'est bien? Est-ce qu'il faut changer? Est-ce que pendant la pratique, il y a des modifications qu'on apporte? Le visuel n'est pas souvent toujours ce qu'on avait en tête. Sur le meuble TV, j'ai ajouté ces 2 bougeoirs qui peuvent prendre nos bougies conventionnelles que nous trouvons partout à 100 francs et 150. Je viens également embellir mon canapé en mettant des coussins jaunes. Vous me voyez là avec des rideaux jaunes, des voilages jaunes qui vont avec les coussins. J'ai fait ce ménage et cette décoration le soir parce que ma cousine était là pour me donner un coup de main avec bébé. Et là, bébé dormait. Voilà pourquoi elle était placée en train de me voir faire. Parce que quand je n'ai pas d'aide,
C'est souvent difficile de commencer ce genre de travail et aller vite. Bébé va m'interrompre à tout moment, à tout moment. Ce n'est pas évident de travailler avec les enfants, surtout les bébés là, les nourrissons là. C'est pas facile. Ce sont eux qui décident quoi. Ils décident si tu vas évoluer ou pas. Donc là, j'ai enlevé les autres rideaux beige qui étaient là. J'ai mis les jaunes. Et je vois que le rendu est meilleur avec le rideau bleu qui a des motifs jaune-blanc. Avec des voilages jaunes et blancs. C'est Ethan Lohan qui confectionne les rideaux qui m'avait donné cette idée. N'hésitez pas à joindre son groupe via le lien qui est également en description. Et pour avoir les meubles que j'ai à la maison, vous avez également les liens du menuisier en description. Maintenant que j'ai terminé de changer les rideaux, je plie tous les rideaux qui étaient là et je pars poser dans le panier du linge sale pour que ça ne prenne pas trop d'espace parce que je ne sais pas quand est-ce que je vais les laver. Les rideaux, souvent, je les retire, je mets dans le panier. Ça me fait 2 semaines. Hein. Quand je veux laver les habits, je trie juste pour les enfants, je lave et je laisse ça là-bas. Notre décoration est terminée et voilà le rendu. Je suis très contente. J'ai toujours aimé avoir une maison belle et bien décorée. J'ai toujours aimé avoir une maison accueillante. La décoration intérieure, c'est ma passion. Et même quand je vivais dans une seule chambre, pour ceux qui me connaissent, vous savez, c'était toujours propre, bien agencé et bien décoré. Donc c'est ma passion vraiment. Je ne peux pas vivre dans une maison désordonnée. Même si c'est la chaise de 100 francs, je vais l'embellir. N'hésitez pas à me dire les amis si ça vous plaît autant qu'à moi. Moi je suis très contente, ça me plaît beaucoup. Et les objets de décoration de la boutique sont de jolis objets. J'ai pris pour venir vous montrer comment est-ce qu'on peut l'utiliser. Et j'ai sélectionné ceux qui devaient bien donner avec mon intérieur et avec mes rideaux. C'est vrai que je trouve ce coin TV un peu surchargé. Je pense qu'il faut que j'achète un guéridon ou bien une table, un genre, pour poser ma plante, la plus longue plante là, du côté salle à manger. C'est ce que le rendu-ci m'a montré qu'il faut faire. Et au coin salle à manger là, j'ai l'intention de faire une étagère qui va jusqu'en haut, sur laquelle déposer plusieurs objets de décoration. Ça ne sera pas pour tout de suite, mais c'est dans les projets. Pour que la décoration du salon soit complète, je pense qu'il me faut une étagère à ce coin-là sur laquelle je vais cotiser les objets de décoration et exposer dessus pour un plus meilleur rendu de mon salon. Là, je vous reprends le matin vu que j'avais fait cette décoration le soir et j'ai déjà remis tous les effets de bébé parce que c'est une maison d'enfants et on vit. Donc j'ai remis la balancelle de bébé parce que pendant qu'on visionne souvent ou bien pendant qu'on est au salon, elle est couchée dans sa balancelle. Et sur la table de salle à manger, j'ai remis les sous-plats. Ça reste comme ça les sous-plats, hein? Ça reste comme ça. Et j'ai remis le sac dans lequel il y a les jouets de bébé.
J'espère les amis que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye bye!